Le salon de Laval Virtuel, c'est beaucoup d'organisation. Et pour préparer cet événement, on peut notamment compter sur Laurent Chrétien, qui est directeur général du salon de Laval Virtuel. Je vais aller lui poser 2-3 questions autour d'un café. Allez, c'est parti! Alors, on a deux salons en fait, hein, en un. Laval Virtuel, du mercredi au vendredi, ce sont des journées professionnelles, donc avec beaucoup d'entreprises qui ne s'adressent que aux professionnels et qui d'ailleurs, comme ils ne s'adressent que aux professionnels, le vendredi à 16h, ils s'en vont et on fait place nette pour laisser la place à beaucoup d'entreprises qui viennent plutôt proposer du jeu vidéo, du ludique, etc. Avez-vous justement le temps de tester des applications, des innovations qui sont présentées ici sur le salon? C'est une bonne question, Hugo. Ça fait partie des frustrations des organisateurs, c'est que le temps passe tellement vite pendant le salon. Quelque part, c'est la frustration. Mais bon, après, on a le temps pendant l'année d'aller rencontrer les acteurs, que ce soit en France ou à l'étranger sur d'autres salons, et de tester ce qu'ils font. Et justement, si j'ai envie de piquer votre place pour devenir directeur général, quelles sont les qualités que je dois avoir? Ah ben là, je sais pas, faudrait demander à l'équipe. Non, mais les qualités, il faut... Enfin, je crois qu'il faut être soi-même d'abord. Faut avoir envie de faire les choses, faut de la curiosité, faut avoir un petit côté techno, faut manager, faut faire attention aux sous, faut communiquer, faut rencontrer les gens, et voilà, mais tu vas y arriver, je suis sûr. Je vais vous laisser votre place. Je pense que je suis doué pour me promener dans le salon et pourquoi pas aller traîner au bar par exemple.